الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ومرسي الله سبحانه وتعالى de nous réunir dans ce mois de Ramadan pour évoquer son nom et se rappeler les chemins qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala pour s'approcher de lui et gagner sa satisfaction. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Évoque le nom de ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à voix basse, le matin et le soir, et ne fais pas partie des insouciants. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de l'évoquer constamment, matin et soir, dans les différentes situations de la vie, et il nous a interdit de faire partie des insouciants, des ghafilin. Et dans le Coran, il y a plusieurs passages qui mettent en garde d'être dans la rafla, dans l'insouciance. Car l'insouciance mène à l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et mène à la désobéissance. L'insouciance est comme un poison pour le cœur qui l'endurcit. Alors ce cœur ne profite plus des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas touché par la lecture, la récitation et l'écoute du Coran, ni il ne prend garde aux mises en garde du Coran, ni il n'est motivé par les motivations du Coran, car ce cœur est malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous indique la meilleure de vos actions, celle qui est la plus pure auprès de votre maître et de votre roi, celle qui vous élèvera le plus en degré et qui sera mieux pour vous que de dépenser l'or et l'argent, et qui sera mieux pour vous que de rencontrer vos ennemis et de frapper leurs coups et qu'ils frappent vos coups? Ils ont dit: bien sûr qu'on veut savoir cette action au messager d'Allah. Il a dit l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah le Très-Haut. Dans ce hadith, on voit la valeur et la grandeur de l'évocation d'Allah tabarak wa ta'ala, et qu'elle est meilleure que beaucoup de certaines actions sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Que beaucoup de certaines actions sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de textes qui vont dans ce sens, qui montre la valeur et la vertu de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce mois béni, le mois où les satans sont attachés, où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, pour motiver les gens à faire du bien, c'est le mois dans lequel on doit se rappeler encore plus Allah, revenir plus vers lui, pour en prendre l'habitude. C'est un mois d'entraînement. Ramadan est une école pour nous entraîner à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à lui obéir, à l'évoquer, à l'aimer, pour que tout au long de l'année, nous continuions sur cette voie. Et à chaque Ramadan, pour évoluer encore plus, et se renforcer encore plus, et rester sur cette constante tout au long de l'année. Allah tabaraka wa ta'ala a cité que l'évocation d'Allah est la chose la plus grande. Il a dit subhanahu wa ta'ala: utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Récite ce qui t'a été révélé du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplis la salat. Certes, la salat empêche de faire la turpitude et le blâmable,
Cependant, l'évocation d'Allah est encore plus grande dans le sens de sa parole. Les savants ont donné plusieurs explications à ce verset. Cependant, l'évocation d'Allah est encore plus grande. Wala dhikrullahi akbar. Certains parmi les sahaba, comme Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Darda, et certains pieux prédécesseurs, disent que Allah évoque celui qui l'évoque. C'est-à-dire, quand toi tu évoques Allah, Allah t'évoque. Subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit, votre évocation d'Allah dans la prière est encore plus grande que cela. C'est-à-dire une prière dans laquelle on évoque beaucoup Allah, on pense beaucoup à Allah, est mieux qu'une prière avec moins d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, ce qui est juste en cela, c'est que dans la prière, il y a deux objectifs. Dans la salat, il y a deux objectifs à atteindre. Le premier objectif est qu'elle éloigne des actes blâmables et de la turpitude. Et le deuxième objectif qui est plus grand, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah ta'ala a dit, wa aqimi s-salata li dhikri. Et accomplis la prière pour m'évoquer. Pour m'évoquer. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas ordonné aux croyants de l'évoquer abondamment, debout, assis, sur leur côté, de nuit, de jour, sur la mer, sur la terre, en voyage, en étant résident, dans toute situation, dans la situation de richesse, dans une situation de pauvreté, peu importe la situation, dans la difficulté, dans la facilité, même dans les malheurs, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même enseigné que dire quand on voit une chose qui nous déplaît, ou quand quelque chose nous déplaît, ou on n'est pas content de quelque chose. On dit Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah quoi qu'il arrive, dans toutes les situations. Alhamdulillah ala kulli hal. Il n'y a pas un moment dans la vie, une situation, sans que le croyant n'évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces situations, comme elle a dit Aïcha radhiyallahu anha. Fi kulli ahyali, fi kulli ahwal. Dans toutes ces situations, il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Dans le sens de sa parole, ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une évocation abondante et glorifier son nom matin et soir. C'est lui qui prie sur vous, c'est-à-dire qui vous fait des éloges, ainsi que ses anges pour vous sortir de l'obscurité vers la lumière, et certes, il est miséricordieux envers les croyants. Leur salut le jour où ils le rencontreront sera salam, et il leur a préparé une récompense honorable. On voit dans ce verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala et ses anges évoquent celui qui l'évoque. Ils parlent de lui, ils le louent, ils disent du bien de lui pour le sortir de l'obscurité vers la lumière. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi « Kama arsalna fikum rasulam minkum » يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Comme nous avons envoyé un messager parmi vous qui vous récite nos versets, qui vous purifie et qui vous enseigne le livre et la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne connaissiez pas.
Évoquez-moi et je vous évoquerai. Soyez reconnaissant envers moi et ne soyez pas ingrat. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: les meilleurs des gens dans tous les actes sont ceux qui évoquent le plus Allah. Les meilleurs des jeûneurs sont les jeûneurs qui évoquent le plus Allah. Les meilleurs des donateurs sont les donateurs qui évoquent le plus Allah. Les meilleurs des pèlerins sont les pèlerins qui évoquent le plus Allah, et ainsi de suite dans toutes les œuvres. Il y a beaucoup de bienfaits dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah nous a ordonné de l'évoquer abondamment, c'est qu'il y a un intérêt immense pour l'être humain dans le fait de l'évoquer constamment et abondamment. Allah Ta'ala a fait que l'évocation d'Allah repousse le shaytan, le Satan, et sa ruse, et il lui casse tous ses plans. Allah Ta'ala a dit: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui délaisse dans son aveuglement l'évocation du miséricordieux, nous lui assignons un Satan qui est son compagnon. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Et voilà ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui, quand ils sont effleurés par une tentation du Satan, de Shaitan, aussitôt ils se rappellent Allah, et voilà qu'ils sont clairvoyants et lucides. Donc, l'évocation d'Allah est une protection, est une citadelle de protection contre le Satan et ses ruses. Dans un long hadith rapporté par l'imam Ahmed, Yahya, le fils de Zakaria, alayhi salam, a donné des conseils aux enfants d'Israël en leur disant, c'est un long hadith où il leur demande d'être monothéistes envers Allah, d'accomplir la salat, de jeûner, de faire des sadaqas, de faire des dons, des aumônes. Puis il leur a dit dans le sens: et je vous ordonne d'évoquer énormément Allah. Car l'exemple de celui qui évoque Allah est comme une personne qui fuit son ennemi, qui court derrière lui à toute allure, et voilà qu'il a pu se réfugier dans une citadelle renforcée. Ainsi, le serviteur qui évoque Allah est dans une citadelle renforcée contre le Satan. La citadelle renforcée contre le Satan est l'évocation d'Allah. Subhanallah, combien nous entendons de gens se plaindre qu'ils sont touchés par le mauvais œil, par la sorcellerie, par les djinns, par des malheurs, par des difficultés. Mais t'es-tu protégé, mon frère, ma sœur? Es-tu rentré dans ta forteresse pour que Shaytan ne puisse t'atteindre? Ou fais-tu partie des insouciants qui n'évoquent Allah que très peu? C'est une question à se poser. Car la porte ouverte pour les satans, pour le shaitan, pour le mal, pour le mauvais œil, pour la sorcellerie, pour toutes ces choses qui nous attaquent, c'est tout d'abord la désobéissance. Quand la personne désobéit à Allah, est loin de l'évocation d'Allah. Car celui qui désobéit à Allah, il est certes loin de l'évocation d'Allah. Celui qui évoque Allah reste loin de sa désobéissance. Alors que celui qui obéit à Allah, qui s'éloigne de ses interdits, qui accomplit ses obligations, qui se tient constamment à la prière, aux obligations religieuses, qui s'éloigne des interdits et qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de sa journée et de sa nuit, alors c'est le shaytan qui le fuit. C'est lui, maintenant, il n'est plus en position seulement de défense, mais il est en position d'attaque. C'est le shaitan qui le fuit.
Comme il disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, celui qui évoque beaucoup Allah, c'est comme si c'est lui qui avait sara' al-shaytan. C'est comme s'il avait battu le shaytan. Comme si le shaytan avait été touché par son dhikr. Comme le shaytan qui touche un homme par son mal, lui il a fait le contraire. Il a touché le shaytan par le dhikr, par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait abondamment. Parmi les bénéfices de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que la personne qui évoque constamment Allah trouve une paix, une sérénité et une joie dans son cœur. Il trouve la tranquillité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas que c'est avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Bien sûr, c'est avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit: l'évocation d'Allah pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Alors, comment serait l'état d'un poisson qu'on aurait sorti de l'eau? De même, le cœur qui n'évoque pas constamment Allah, tabaraka wa ta'ala, il lui manque de la vie, il est en danger de mort. Parmi les intérêts et les bénéfices de l'évocation d'Allah, c'est que celui qui évoque Allah, Allah l'évoque, comme nous avons vu précédemment dans le verset. Allah Ta'ala dit: Fadkuruni adkurkum. Évoquez-moi et je vous évoquerai. Celui qu'Allah évoque, celui dont Allah se rappelle, est-ce qu'il sera en danger? Non. Il sera protégé. Il sera dans le bien. Allah Ta'ala illuminera son cœur, sa voix et sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith al-Qudsi qu'Allah a dit: si le serviteur m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans un groupe, je l'évoquerai dans un groupe encore meilleur. Je l'évoquerai dans un groupe encore meilleur que celui-ci, c'est-à-dire auprès des anges rapprochés. Allah Ta'ala parle de cette personne auprès des anges rapprochés. Quel honneur! L'évocation d'Allah est une des meilleures causes pour être sauvé du châtiment d'Allah. Dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une œuvre du fils d'Adam qui le préserve ou qui le protège plus du châtiment d'Allah que l'évocation d'Allah. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad. Donc c'est une cause d'être préservé et éloigné du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'évocation d'Allah a d'énormes récompenses. Combien de hadiths sont cités dans la valeur, la vertu, les récompenses qui sont données à celui qui évoque Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois: les mufarridou, ceux qui se sont distingués, ont devancé les autres. Ils ont demandé: mais qui sont-ils, le messager d'Allah? Il a dit: ce sont ceux qui évoquent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, les pauvres se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam: au messager d'Allah, les riches ont de l'argent, ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, ils font tout comme nous, mais en plus ils ont de l'argent, ils peuvent faire des bonnes actions en plus. Ils peuvent faire le pèlerinage, ils peuvent dépenser dans le sentier d'Allah, combattre dans le sentier d'Allah. Nous, on ne peut pas faire tout cela. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit: voulez-vous que je vous dirige vers un acte que si vous le faites, vous devancerez tous ceux qui ne le font pas? Ils ont dit: bien sûr, le messager d'Allah. Il a dit: après les prières obligatoires, dites 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allah Akbar. Regardez ce dhikr qui paraît anodin, simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné en échange, pour ceux qui ne peuvent pas faire ces grandes actions, ce dhikr-là après la salat. Quelle récompense!
Et ces paroles, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sont les meilleures paroles de ce moment. Il y a de nombreux hadiths qui sont venus parler de la vertu de ces quatre paroles, dont le hadith que nous avons cité, un autre hadith que celui qui le dit après les prières, ses péchés seront pardonnés même s'ils sont au nombre de l'écume de la mer. Même s'ils sont au nombre de l'écume de la mer. Ibrahim alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré, il a dit j'ai rencontré Ibrahim alayhi salam la nuit de l'ascension. Il m'a dit, oh Mohammed, passe le salam à ta communauté de ma part. Et dis-leur que le paradis est une terre fertile et que son eau est très suave et qu'elle est faite de plaines et de plateaux et que sa plantation est subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Parmi les bénéfices de l'évocation d'Allah, c'est que l'évocation d'Allah est une guérison pour les cœurs. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Oh vous qui avez cru, ne soyez pas distraits par vos enfants et par vos biens à l'évocation d'Allah, car ceux qui font cela sont les vrais perdants. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant des hypocrites, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils n'évoquent Allah que très peu. Donc, c'est une des caractéristiques des hypocrites de ne pas beaucoup évoquer Allah, d'évoquer Allah que très peu. D'ailleurs, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, quand on l'a questionné sur les gens de la bataille du chameau, sont-ils des hypocrites ? Il a dit, les hypocrites n'évoquent Allah que très peu. C'est-à-dire, non, ils ne sont pas hypocrites. Les hypocrites n'évoquent Allah que très peu. Eux, ils évoquent beaucoup Allah. Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme l'a raconté son élève Ibn al-Qayyim, a été emprisonné plusieurs fois dans le Qal'a. Le Qal'a, la tour à Damas. Et il disait, quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas m'enlever mon paradis car mon paradis est dans mon cœur. S'ils m'emprisonnent, je suis en retraite pieuse, j'évoque Allah. S'ils me tuent, je serai martyr. S'ils m'exilent, je serai en exil sur sentier d'Allah. Et il disait, il y a un paradis sur terre. Celui qui n'y entre pas, n'entrera pas au paradis de l'au-delà. Il visait par cela l'évocation d'Allah, le fait que le cœur soit attaché à Allah. Et il disait, le vrai prisonnier, c'est celui qui est prisonnier de ses passions. Ce n'est pas celui qui est entre les murs. Celui qui est prisonnier de ses passions, de ses désirs, c'est lui le vrai captif. Et le libre, c'est celui qui s'est libéré de ses passions et qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un serviteur pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour finir, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des gens qui évoquent beaucoup Allah, qu'ils ont devancé les autres. Mais comment maintenant la question qui se pose, comment faire partie des gens qui évoquent beaucoup Allah, ceux qui sont nommés par Allah Ta'ala dans le Coran, الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Alors, Ibn Abbas, radiallahu anhu wa an abi, a répondu en disant, ce sont ceux qui évoquent Allah après leur prière, qui évoquent Allah matin et soir, qui évoquent Allah quand ils vont au lit, quand ils se réveillent, quand ils partent, quand ils reviennent, ils évoquent constamment Allah.
Le Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah a dit dans son tafsir, au minimum, il a dit, au minimum, pour faire partie de ceux qui évoquent Allah, au minimum, le moindre degré, c'est que la personne fasse les invocations que l'on fait matin et soir, adhkar al-sabah et al-masa, les invocations à dire après les prières obligatoires, les différentes invocations et évocations à faire dans les différents moments et situations de la journée. Quand il s'habille, quand il se déshabille, quand il se couche, quand il se lève, quand il sort de chez lui, quand il rentre. Et tout ceci fait que la personne est constamment dans l'évocation d'Allah. Il est donc nécessaire d'apprendre les différentes invocations et évocations à faire matin et soir. Et de s'y tenir, de les faire après la prière du Fajr. Et après la prière du Maghrib. Et de faire les adhkar qu'on fait après les prières obligatoires. Et d'apprendre aussi les différentes évocations et invocations à faire quand on sort de chez soi, quand on rentre, quand on s'assoit, quand on se lève. Il n'y a pas un moment ou une assise sans qu'on doit évoquer Allah Ta'ala au minimum bismillah. Au minimum. Et de cette manière-là, la personne fait en sorte que son cœur est toujours abreuvé, toujours vivant. Celui qui évoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala chasse le shaitan, donc il est plus loin des péchés, car l'insouciance est la porte pour le péché et l'égarement. Et celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala est préservé du mal de son plus grand ennemi qui est le shaitan. Et il arrive à dompter son âme bestiale. Voilà pourquoi il est très important de ne pas être parmi les insouciants. Ceux qui évoquent peu Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux dont leurs cœurs sont occupés par leur passion, par leurs désirs, par des pensées inutiles, des désirs mondains. Alors que ça, il oublie qu'il peut partir à n'importe quel instant et retourner chez son Seigneur. Ce hadith, je le répète souvent pour ceux qui me connaissent, mais on demande à Allah qu'on le comprenne et qu'on le mette en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ja'al al-humuma hamman wahida » Kafarullah Muhammad Dunya wal Akhir. Celui qui fait de ses soucis, de tous ses soucis, un seul souci, le souci de l'au-delà, Allah lui suffira pour ses soucis de ce bas monde et de l'au-delà. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabes. Ils n'en avaient que faire de ce bas monde. Ce bas monde, pour eux, n'était qu'un moyen, un pont, un passage par lequel nous sommes obligés de passer pour aller dans l'au-delà. Il faut juste réussir ce passage, ce test. Et une des manières de réussir ce test est d'évoquer Allah constamment et de ne pas faire partie des insouciants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ceux qui évoquent beaucoup Allah de jour, de nuit, dans toutes les situations. On lui demande d'accepter notre jeûne, nos prières, nos bonnes actions dans ce mois béni et de nous compter parmi les affranchis de l'enfer dans ce mois de Ramadan béni. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.